fascinante et envoûtante, elle en est enivrante, physiquement passionnante, elle en est lancinante, à l'allure onirique, quand elle sourit un visage angélique, elle emplit mon esprit de bonheur, en fait même stopper la pluie, appareil dentaire. Ne gâche pas mon plaisir à la regarder, pas cette photo d'elle dont me délecter. Elle emplit mon esprit, j'en rêve la nuit, elle guérit l'insomnie. Tout commence lorsque je pose mon regard sur ses lèvres humides. Son regard transperce le réel, sa beauté m'agresse. Elle transgresse la morale, met en détresse ma perception. Mes sens sont défaillants, remis en question face à elle, allégorie d'une tentation forte. Mes cordes vocales se bloquent, choquées, interloquées, j'ai promis de pouvoir me contrôler. J'écris la symphonie, des battements de cœur à plein régime sans cesser, le corps allongé dans le lit. Sauf que cette vie n'existe pas, c'est juste une photo sur laquelle on fantasme. Mais je ne sais pas pourquoi, tout est parti si loin, et au final je ne sais pas si c'est bien. Sauf que cette vie n'existe pas, c'est juste une photo sur laquelle on fantasme. Mais j'en connais une qui mériterait autant de compliments. Elle est réelle et j'espère qu'elle m'entend. Parce que moi elle n'est pas allergique au latex. Elle est magnifique, elle arrive à me réconforter avec un sourire, et elle est belle. Et elle est fantastique, elle m'en sorcelle. Réussit à me calmer quand je suis triste. Pose tes lèvres humides contre les miennes et oublie tes problèmes. J'aime tant te rassurer quand tu ne l'es pas et te prendre dans mes bras. Tu sais la vie c'est pas facile et j'ai du mal à tenir, mais ta présence m'aide beaucoup, c'est sûr. La première mère inconnue, à l'exception d'une simple photo sur l'autel d'une pote. Mais la seconde, j'y suis attaché, même si souvent elle m'est éloignée. Mais au final, je suis retourné sur Insta, j'en ai vu une pas mal. J'ai laissé derrière moi toutes ces pensées-là, et je continue sur mon tel à en chercher une plus belle.